font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent. Ils ne tiennent pas compte ni des lois ni de l'État. C'est pourquoi le groupe politique national a tenu à sa réunion ordinaire du jeudi à étudier la situation politique et la situation spéciale dans la ville de Coran. Cette étude a commencé le jeudi. Elle a continué le dimanche. Toute la journée, le groupe politique était en session. Le groupe politique a pris des décisions. Décisions auxquelles nous nous associons. Et à partir de la minute. Vous permettrez de me permettre de lire cette décision. On a pris le 4 novembre 2018. Communiqué. La direction nationale du RPG arc-en-ciel, au cours de sa réunion ordinaire et extraordinaire, jeudi ordinaire, dimanche extraordinaire, a décidé de l'organisation d'une marche pacifique pour réaffirmer son soutien indéfectible au président de la République. De leur moto, l'amener, descendre sur le même de leur véhicule,
Patience, patience. Vous avez patienté. Quand tu es dans la danse avec un aveugle, il faut lui donner de temps en temps des coups d'épaule pour qu'il sache qu'il n'est pas seul à danser. Nous vous invitons à démontrer le mercredi que c'est un président qui est au pouvoir et que c'est affamé le président de la République de Guinée. On le fera dans la discipline. On le fera sans lancer un caillou. On le fera sans insulter quelqu'un. On le fera sans voler. Parce que moi, je ne veux pas du bol. Allez ouvrir les petits des gens et prendre notre ami. Moi, je ne veux pas dire brûler les petits sur le bouton. Ça, c'est pas dans la constitution. Quand vous pensez qu'un kilomètre de bouton, $1 million. Mais ils s'en fichent, ils vont garder lui le plus partout. Mais aussi, cela sera une démonstration. Cette marche pacifique-là, ce sera une démonstration. Nous avons ici le programme. Parce qu'ils disent, mercredi, c'est la ville morte. Et jeudi, la marche, la marche, la marche, jusqu'au départ de la famille. La marche, la le procès Alpha Condé est lâché par le peuple. Maintenant, faisons la démonstration que le peuple Guinée soutient le procès Alpha Condé. C'est pas lui ou non? La demande est déjà déposée pour la marche à la date 28 au stade du palais. À l'espoir du palais du peuple. Cette demande-là aussi est déposée à la commune de Kaloum. Ça, ce sera le samedi. Mercredi, marche. Samedi, midi. Donc, on sait combien de fois vous êtes fâchés pour ce qui se passe. Puisque c'est vous qu'on empêche de voter à vos affaires. C'est vous que l'on insulte, puisque vous le voyez se moquer de nous. C'est sur vous qu'ils veulent cracher. Trop, c'est trop. Maintenant, nous allons aussi reprendre nos marches pacifiques. On ira point par point. S'ils sortent lundi, mardi nous allons sortir. Mais nous vous invitons à ne pas casser un œuf. Pas un œuf. On sortira, on marchera. Nous démontrerons que c'est Alpha Condé qui est là. Nous démontrerons que c'est Alpha Condé qui est au pouvoir. Nous démontrerons que c'est le RPG Alpha qui est au pouvoir. Donc, pour vous dire, toutes ces dispositions sont prises. On n'a plus que demain. Je dis ça même, nous. On n'a plus que demain. Nous invitons donc les structures de base, les sections de Conakry, les sous-sections de Conakry, les comités de base de Conakry. Nous invitons le bloc politique et ses organismes, Corporation, Bureau national des femmes, des jeunes, les anciens commandants. Nous invitons à tout premier lieu qui est en tête le comité central. Le comité central de l'UNPRC. Chacun de nous, femmes, jeunes et vieux, levez-vous pour montrer à l'opposition que c'est un parti qui est au pouvoir. Merci. Prenez courage. Seulement, nous insistons encore, il ne faut pas casser un œuf.
considèrent comme des ennemis, nous savons que c'est des adversaires que nous devons redresser, parce qu'ils commencent à dévier. Il faut les redresser par l'esprit démocratique. Il faut maintenant démontrer les limites de notre patience. Les limites de notre patience. Ce n'est pas une peur. Non, le FPI n'a pas peur. Non, Alpha Condé n'a pas peur. Il n'a pas peur. Alpha Condé veut préserver la paix. La paix et la paix pour tous les Guinéens. Y compris nous-mêmes. Si ce n'est pas Alpha Condé, une seule sortie du FPI, on ne parlera plus ici. Dommage. Merci. Oui ou non? Mais toujours, lui c'est la patience, lui c'est la paix, lui c'est le Guinée. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Lui, il veut rassembler tous les Guinéens. Les Guinéens de la basse Guinée, de la moyenne Guinée, de la haute Guinée et de la forêt. Lui, il ne se passe pas sur une communauté. En tout cas, non. Pas une communauté. Lui, c'est la Guinée et les Guinéens. Lui, c'est la paix en Guinée. Lui, il se bat pour le bonheur du peuple de Guinée. Sans distinction de race, de religion, de communauté. Donc, vraiment. Est-ce qu'il compte ça? Alors, dégradé. Et alors, nous avons un dossier aussi que nous sommes prêts à soulever. On est prêts à le soulever aussi. Sans compter que, on connaît les marabouts ont dit assez lourd. Le jour où le nombre de morts va atteindre 100, tu seras président de la République. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, je vois, ils sont en train de venir ici. D'après eux. Bon. Donc, on va voir. Pacifique pour réaffirmer son soutien indéfectible au président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État, commandant en chef des forces armées et à son gouvernement le mercredi 7 novembre 2018. De l'esplanade du palais du 28 septembre, point de rassemblement au rond-point de la Banque centrale. À cette occasion, la direction nationale du parti invite l'ensemble des structures, des mouvements de soutien, des associations, des serres, des partis alliés au parti et tous les militants et militantes et sympathisants à se mobiliser massivement pour donner un caractère particulier à cette manifestation, montrant ainsi tout le soutien du peuple à son président. Nous vous remercions. Oh, my boy, I did it, yeah. I want for like in a
Dieu ne m'a terminé.